Monsieur Chauvel est passionné par la porcelaine. Il fabrique dés à coudre et pendentifs et décore découpelles, tasses, services de table, fabriqués en Haute-Vienne par des entreprises membres du réseau des routes de la porcelaine de Limoges. Situé tout près de la cathédrale Saint-Étienne, dans le quartier historique, touristique et piétonnier de la cité, l'atelier de la Salamandre invite le visiteur à découvrir la véritable porcelaine de Limoges, élaborée dans la plus pure des traditions. Patrice Chauvel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un touche-à-tout qui est en train de réinventer la porcelaine, c'est exact ? C'est tout à fait exact. Dés à coudre, magnettes, porte-clés, coupelles, bijoux aromatiques et autres produits touristiques. La salamandre, c'est votre animal fétiche ? Absolument, et pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, la légende de François Ier, avec la salamandre qui renaît de ses cendres. Et puis aussi, sur le site où on se parle à ce moment même, avec un aqueduc romain qui passe sous le magasin, et où une deuxième légende dit que lorsque les salamandres remontaient à la surface, c'était signe que l'eau était bonne à boire, donc tout est positif. On peut résumer votre reconversion à une histoire de dés à coudre ? Absolument, ça a été le point de départ suite à une vente réussie de cartes postales de sites touristiques. On m'a très rapidement demandé de mettre mes dessins faits main sur des supports porcelaine et notamment sur les dés à coudre qui est l'objet le plus collectionné en France. Et très vite, on a pris des proportions beaucoup plus importantes, magnettes, porte-clés, autres produits souvenirs. Et puis, l'évolution est arrivée sur les bijoux aromatiques et autres. Un jour, vous travaillez sur un bijou, erreur de manipulation, et vous vous retrouvez à être le seul en France à maîtriser ce procédé hors platine. C'est fou. C'est complètement fou et néanmoins exact. Une erreur de désémaillage, on désémaille du mauvais côté. On fait quand même la cuisson et puis on s'aperçoit de ces deux surfaces rugueuse et mate, lisse et brillante. Et en alliant des décors mat et brillants, on a cet aspect de bijou unique avec ces couleurs paradoxales qui s'opposent mais qui se complètent en même temps, d'où ce succès immédiat. Votre prochain défi ? Alors le prochain défi, c'est de remettre au goût du jour le fameux bleu de four de Limoges qui passe aujourd'hui pour un produit ringard. Et voilà, notre défi, c'est de le faire revenir au premier plan avec des nouveaux décors, des nouveaux produits, rien à voir à ce qu'il faisait, mais voilà. Ma dernière question, donnez-moi quelques bonnes raisons de pousser la porte du 5 rue Haute Cité à Limoges. Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que vous aurez la certitude, en franchissant la porte, d'avoir un produit 100% made in France, puisqu'il est fabriqué complètement dans notre atelier. C'est également pour le client la possibilité de voir comment on fabrique, puisqu'on organise des visites d'atelier, on partage notre savoir-faire, rien à cacher. Et voilà, donc vous avez un produit complètement. Patrice Chauvel, merci pour cet entretien. Merci à vous.